Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va voir passer une commande comme acte de parole, l'association de communication chez Le Poissonnier. Le thème, c'est faire des courses. Alors, avec vous, monsieur Sebdalet de la chaîne Je Communique TV, si vous êtes nouvelle ou nouveau, vous pouvez vous abonner s'il vous plaît. Alors, si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous pouvez cliquer sur like, ajouter des commentaires ou avoir de nouveautés. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche. Passez une commande chez le poissonnier. On a ici deux personnages, Madame Vignon et le poissonnier. Écoutez bien sûr le dialogue entre ces deux. Madame Vignon, je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Le poissonnier, oui madame, pour combien de personnes? Madame Vignon, pour 6 personnes. Pour quel jour? Samedi en fin d'après-midi, c'est pour le dîner. C'est à quel nom? Vignon. 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 Et qu'est-ce que vous préférez? Un plateau classique, c'est-à-dire à 20 euros, ou un plateau mélangé à 30 euros? Quelle est la différence, hein? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, des crabes, des crevettes. Un plateau classique me semble très bien. Alors, pour passer une commande, il suffit tout simplement d'apprendre ces manières de dire. Par exemple, on dit « je voudrais commander ». D'accord? Je voudrais commander. Est-ce que je peux commander? Voilà. L'autre, ça veut dire le poissonnier ou un vendeur, qu'est-ce qu'il dit? C'est à quel nom? Je réponds, on dit au nom de. Pour quel jour, quelle heure, pour combien de personnes? Et je réponds bien sûr à ces questions. C'est ce qu'on appelle passer une commande. Grammaire, utilisation de la préposition pour faire la différence. On dit c'est pour qui? Est-ce que c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour Michel? Pour quand? Pour quel jour? Pour la semaine prochaine, pour jeudi, pour combien de personnes? Pour 6 personnes? Pour combien de temps? Pour 4 jours, par exemple. C'est pour quoi faire? C'est pour jouer? Vous êtes pour ce projet? Non, je suis contre. Alors ici, il y a plusieurs utilisations de pour. Pour, c'est pour qui? C'est pour une personne, par exemple, pour moi, pour Michel, pour n'importe qui. Pour quand? Pour quel jour? Pour la semaine prochaine, pour aujourd'hui, pour mercredi, pour vendredi. Pour combien de personnes? Par exemple, pour 6 personnes. Je cherche, c'est la quantité. Pour combien de temps? Pour 4 jours, pour 5 jours, pour 3 jours. C'est pour quoi faire? C'est pour jouer. Vous êtes pour ce projet? Non. Ici, je demande l'opinion. Est-ce que vous êtes pour ce projet? Non, je suis contre ce projet. Alors, vocabulaire. Il y a du poisson, des coquillages, des crustacés. Par exemple, ici des poissons, des lassoles, la truite, le saumon, le thon, la sardine, un filet de saumon, etc. Des coquillages, on dit les huîtres, les moules. Des crustacés, on dit les crevettes, les langoustines, le crabe, le homard. Un plateau de fruits de mer, préparer le poisson, c'est-à-dire le vider, enlever les arêtes et parfois couper la tête. Voilà. Alors, on vient de faire un cours de communication progressive de français, destiné pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français un petit peu passable, qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, si vous aimez la vidéo, vous mettez like. D'accord? N'oubliez pas de cliquer sur la cloche hein, pour avoir de nouveautés. Si vous êtes nouveau au level, vous pouvez vous abonner. Alors, c'était avec vous, Monsieur Septalède de la chaîne Je Communique TV. À la prochaine.